Allons cause nous d'arlor, aster nous langue, nous causer, avec le 19e édition du Prix Honoré, un concours littéraire qui met en l'air justement nous langue, avec plusieurs genres comme fond de cœur ou encore nouvelles. La liste des lauréats a été dévoilée aujourd'hui au Moka. Charles Laurette et Céline Aonienne la gagnent les premiers prix justement fond de cœur et nouvelles. Et c'est notre invité à soir, Zodley, avec nous. Bonsoir, Azot. Bonsoir. Félicitations déjà pour ce prix. Céline, où la gagne le prix donc pour la nouvelle. Mm-hmm. Explique à nous que ça, où l'a voulu dire dans votre club, justement. Alors, bonsoir, d'abord, merci pour l'invitation. Alors, en fait, mon nouvelle, il appelle Boutique Lop-Up. Et ça, les vraiment les histoires, là, vraiment se passer, puisque c'est les histoires de mon tonton Roger. Donc, nous, Léoport, dans le quartier Saint-Ange, boulevard Verdun. Donc, tonton Roger, en fait, l'a hérité de la boutique chinoise de son papa. Et en fait, en 1996, la ville du port la décide d'un grand plan d'urbanisation, on l'appelle ça modernisation. Donc, la rase toutes les cases. Et tonton Roger, lui, il n'a pas voulu qu'il crase son boutique parce que son boutique, t'es son case et la case, t'es la boutique. Donc, il la tient bout de bout. Et c'était le 17 novembre 1996, la police l'a dit à lui, bah, viens au commissariat, on va trouver un petit arrangement. Et quand il a parti, il y a un bulldozer à l'arrivée. Et bulldozer là, rouvre grand son gueule et là, envale la boutique. Donc ça, le peuple, le port l'a fait. Ils ont de la trappe bande galée et ils ont de la jette sur bande policier. Et en retour, bande policier, que ça, ils ont de la fait. Ils ont de la largue bombe lacrymogène. Donc c'est comme ça en fait que la commence bande émeute 1996 au port. Enfin, ils disent émeute, mais en fait c'est la révolte, vraiment une révolte du peuple par solidarité avec tonton Roger, que la tient bout de bout et que l'a jamais larguée. Les histoires que les vraies en plus, donc oui. Elle a dû toucher particulièrement voilà. Le jury. Mais tournons-moi vers Charles Laurette, à où la gagne le premier prix fond de cœur. Oui. On a un titre fond de cœur qui est assez long. On va dire un petit coup. En quoi est consiste ce fond de cœur-là? Qu'est-ce que vous voulez dire dans ce fond de cœur-là? C'était aussi de causer, de le causer par le cœur surtout. Laquelle? Parce qu'on est là un recueil de 5 oui. De bandes fond de cœur. Pour mon maître des galets, mon maître bande soplante. Ça, c'est un texte pour le bouc qui inspire à moi depuis très, très, très longtemps et que moi, l'ai trouvé par hasard dans l'exposition et il appelle Patrice Tretat. Ah, voilà. Grand et, Patrice Tretat. Voilà. Et de monde, parfois, il oublie que nan monde a tracé un sillon avant nous et que ce bouc-là, mon maître, m'appelle l'amiral Homo. Parce que l'amiral tout le temps demande t'appelle avec capitaine mais il dit monte de grade ou là maintenant il arrive l'amiral et ce bouc là il porte notre bateau depuis très longtemps mais n'a pas rien calé mais l'île il porte le bateau déjà beaucoup et pour moi t'es une manière aussi fait vivre ma langue, fait vivre mon manière de penser, fait vivre mon causé, mon gaillard et t'es pour rendre aussi hommage à un bouc là il inspire à où matin, midi et soir et des fois quand on les un peu athée, qu'on ne connaît plus trop ça où l'est, retrouve l'écriture, retrouve le travail de l'écriture, parce que m'y insiste souvent, on croit pas c'est une affaire, il arrive comme la manne, il tombe du ciel, et puis on ramasse à terre, ça c'est une affaire, il demande parfois, on met toute tripe à terre, on met tout à terre pour le cœur, ou de fond de cœur, pour essayer vraiment, trouve ça dit fait sens pour où à ce moment-là. Et pour moi, ça te fait sens, t'es une manière de honorer notre bande maître. Et notre bande maître, il appelle Gamaleya, il appelle Lorraine, mais il appelle aussi Waro. Et voilà, qu'il est l'embellie, qu'il est Monts Étoiles. Pour moi, toute bande bougla, Gauvin, ça c'est bande boug, il est dans mon panthéon. S'il y a un panthéon là-bas, Paris, maman a un panthéon, La Réunion. Et ouais, ils riment ensemble d'ailleurs. Vous voulez bien, gaillards, en tous les cas. Le bon message, les passés, les gaillards. Nous là, hâte hein, de lire votre nouvelle et aussi au bon fond de cœur. Merci beaucoup, Céline Aonienne, d'avoir été sur le plateau. Merci, Charles Laurette. Et continue mettre en l'air justement notre arlor, notre langue créole est importante et Réunion la première aussi. Contribue. Donc merci. Merci à tout en tout cas merci de donner à nous cette occasion de causer un peu notre langue. Merci infiniment. Allez.